Bienvenue sur la chaîne Asley Guy. Ah ouais, bravo, t'es vraiment une merde. Enculé. Voici les méthodes du clash de la drague. Ouais, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir Cédric. Bonsoir les filles, bonsoir les mecs. La voix de l'homme. Alors ce soir, la méthode que je vais utiliser, ce sera la méthode de la panne d'essence. Oui. En gros, je suis en galère d'essence. Je viens frapper chez oui, les familles. Oui, là, c'est ce que c'est une panne d'essence. Oui, ben, je viens frapper chez les familles. Non, je connais, ouais, ouais. Savoir si elles peuvent pas m'héberger pour ce soir. Et puis, ben, du coup, ben, je leur ferai l'amour pour les remercier, quoi. Mm-hmm. Ah, quelle méthode originale. Bah ouais, attends. D'ailleurs, qui emballe les foules dans l'équipe. Ah, ah oui, oui, on a emballé. Là. Non, mais trop fort. Alors que moi, directement ce soir, je vous propose une sucette à la merde. Non. À la viande, je crois plus. Ah, c'est une sucette à la viande. Ouais, plus. Ah, je dis non, je voulais proposer une sucette à la merde. Ah, bah, si c'est venu d'où ça? Bah, j'y vais, je trempe ma sucette dans le cul. Ah. On va faire une sucette à la viande. Ah. On verra, bah, peut-être que ça débordera sur une sucette à la merde. On verra si vraiment la famille. Ah, dégueulasse. Ah, attends, Paris, c'est l'été, on donne tout là. Ah, allez, on donne c'est super, tout. Tiens. Et pour un premier clash de la semaine, c'est pas mal. Ah ouais. Allez, on met en place vos méthodes dans 20 minutes là. Ouais, 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 allez. Place aux deux clashers, place à l'amour. Bip, bip. Place au love, quoi. Place au love, à l'amour. Au love, ah ouais. Au love. D'accord. Ah ouais, salut à l'américain. Bah ouais, ça se dit comme c'est ça. C'est Drake mais... ce soir qui est avec nous. C'est Drake. C'est Drake, quelle est ta méthode? Alors moi, c'est la méthode. Ta gueule, c'est toi, Drake le bitch. Parle bien toi aussi. Non, mais je donnais ton pseudo du soir. Non, non, mais c'est pas mon pseudo. Bon, ce soir, moi, c'est la méthode panne d'essence. Panne d'essence. Panne de voiture, panne d'essence. T'as la méthode de la panne d'essence, mais je sais pas, c'est les parents qui faisaient ça dans les années 60. Hey, tu connais le coup de la panne d'essence, chérie? Hey, non, mais ça marche. Je vais te baiser dans la 4L. Et dans la dedoche. Dans la dedoche, je suis décapotable. Bon, Romano, ta méthode et la méthode. Moi, ça va être beaucoup plus sexe directement. Moi, c'est, ce soir, je propose aux familles une sucette à la viande. Oh, quelle belle méthode. Ah ouais, ouais, ça donne femme à risque. Quelle belle méthode au pluriel. J'ai trop la dalle ici. Merci monsieur l'arbitre. Une sucette à la viande contre une panne d'essence. Allez, c'est parti avec la panne d'essence et le premier pour ce soir, Cédric. Allez, c'est pour vas-y. Toi. C'est on qui l'appelle chez Romain. Famille qu'on a choisi au hasard. Yes. Romain, allez. Allô. Allô. Oui, bonsoir. Oui. Ça, c'est la femme de Romain, ça. Son ami, oui. Ouais, ça va, tu vas bien? C'est qui? Bah écoute, je m'appelle Michel et là, je suis tombé en panne d'essence, là, juste à côté de chez vous. Et j'ai regardé dans mon iPhone, là, les maisons les plus proches et en fait, je suis tombé sur votre numéro. Je voulais savoir si ce soir, vous pouvez pas me dépanner, enfin, m'héberger à la maison, quoi. Voilà. Allô, voilà, voilà. C'est bien. Il a pas senti venir celui-ci, Cédric. Personne n'a senti venir. Ah, si, si, moi j'avais senti venir. Je sentais que. Direct, quoi. Je sentais qu'il n'y avait pas le feeling. Bah, on peut le dire, tu veux dire, tu sentais qu'elle s'en branlait, mais totalement de ta panne. Ah, bah alors, ça n'a pas marché. J'espère qu'on fera un deuxième tour pour que tu nous montres comment elle marche, ta méthode. J'espère. Ou alors comment elle marche pas. Bon, non, je suis avec mon iPhone. C'est là, bien, je suis en galère. Romano, la sucette à la viande, c'est ta méthode. C'est pour qui là? Démonstration tout de suite. Dominique. Et démonstration donc chez Dominique. Oui. Allô Dominique. Ouais. Ouais, comment vas-tu? Ça va et toi? Bah ça va nickel, c'est Jean-Louis à l'appareil. Bon dis donc Domi, je t'appelais là pour avoir un petit service de ta part là. Je peux oui. te demander un truc? En fait oui. je voulais proposer une sucette à ta femme, elle est là ou pas ce soir? Ouais bien sûr ouais. Est-ce que je pourrais lui amener ma sucette? Ouais. Ouais. Parce que ma sucette, elle est entre les jambes. C'est une sucette à la viande. Ouais, mmh. bien sûr, ouais. Donc, ouais, y a pas de problème, ouais. Elle pourra la déguster, la lécher dans tous les sens, quoi. Et c'est un peu comme un cornet de glace, il y a même deux boules en dessous, c'est le bonus. À Dominique. Ouais, ok, aucun souci. Ouais, tu voudras la goûter, toi aussi? Ouais. 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 On fera une sucette au chocolat aussi. Je te la mettrai dans les fesses et après dans la bouche. Oh, ça sera très très bon. Bon, bah, okay. Dominique, j'arrive dans 5 minutes, alors, mon mignon. À tout de suite. Bah, à tout de suite, mon bichon. Bisous, bisous. Oh, ça prend la mort dès le début, là. Je tabasse, quoi. Ça tabasse sec, même. La King, je l'ai cogné, quoi. Oh, on nous dit, aïe, 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 Romano, mais tu déchires Métis du 38. Ah bah, Romano nique tout pour Chris du 76. Ah, ah, oh, mais Romano, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, je précise que c'est du recyclage qu'il a fait. Plus jamais je mange de glace, on me dit, là. C'est, bah, c'est curieux, petit bonhomme. C'est pourquoi tu peux manger de glace? Ah, attends, une bonne glace au chocolat, avec deux boules en dessous. Mais ouais. Ah, bah écoute, bravo, hein. Eh, voilà, bon, bah, c'est. Ah! Logiquement, ah, c'est bon, ça. Vous connaissez les règles du clash, ce clash s'arrête là. Ouais, ouais, mais ouais. Ça, c'était le tour de passe chauffe. Un coup de fil chacun, le meilleur gagne. C'est comme ça le clash de la drague. Ah, bah, Cédric, c'était le tour de chauffe. Tiens, là, je crois, enfin, score record, je crois. Inquiète-toi pour la suite. Bon, mais dans ma bonté alors... habituelle, je vais laisser une deuxième chance pour Cédric, juste pour voir si ta méthode, elle marche. C'est donc la méthode, tout de suite. Ah, vas-y, je prends un coup de fil aussi, hein. T'en veux un autre? Allô. C'est qui? Allô. Allô. Ouais. Ouais, Damien. Ouais. Bonsoir, comment vas-tu?
Bah ça va, mais c'est qui? Bah très bien, écoute, bah je me présente, je m'appelle Michel, on se connaît pas encore. Ouais. J'ai une petite galère là, je tombe en panne de voiture. Et on m'avait parlé de ta femme une fois, puis je me suis dit tiens, bah je vais aller voir directement chez toi. Qu'est-ce que tu me chantes là? Bah en fait, j'aimerais bien venir chez toi ce soir. Et ça tombe bien, je suis tombé en panne de voiture. Ah bah ramène ta gueule, ouais. Bah ouais, bah je vais ramener ma gueule, ouais, puis j'aimerais bien voir ta femme aussi, c'est possible ou pas? Ouais, bah vas-y, ramène-toi. Parce qu'on m'a dit qu'elle était super accueillante. Ouais, et qu'elle savait s'occuper des hommes. Est-ce que c'est vrai ça? Ouais, bah viens, ramène ta gueule là. Parce que j'aimerais bien qu'on s'occupe un peu de mes fesses ce soir. Ouais, bah attends, viens, tu vois. Est-ce que tu vas t'occuper de mes fesses? Ouais, si tu veux, ouais. Parce que moi j'aimerais bien qu'on s'occupe de mes petites fesses. Ouais. C'est possible? Allô? Allô? Bah parle. Bah attends, mais il parle pas. Bon, je viens, j'arrive. Non, bah il m'a dit de venir de toute façon. Il m'a dit ramène tes fesses. Et lui, parle. Bon, tu parles ou pas? Paul. Bon, de toute façon, il n'y a plus besoin de parler, j'arrive. Il m'attend. Hein? Il m'attend. Bah, je sais pas, moi. T'as abandonné, t'as fait sa femme, il m'a dit y a pas de problème. Il parle et parle. Abandonne. Bah, pourquoi tu veux que je parle? Bah, pour qu'il te parle. Putain, mais arrête de faire ça, toi. T'es mais quoi, je fais ça? Bah, c'est pour. Mais mec, c'est bon, j'ai géré là, tu raccroches et puis c'est réglé. Ah, tu je raccroche. Bah, ouais, c'est réglé. D'accord. Bon, bah, on raccroche alors. Au revoir, monsieur. Bah, il parle pas. Parle pas, il fait chier pour parler là. Bon, bah, c'est bien, Cédric, tu vois. Bah, ouais, tu vois, il y a une invitation. T'as déjà fait mieux que le premier coup de fil. Bah, ouais, j'ai dit que j'allais me taper sa femme, il m'a dit viens, je t'attends. Et je lui ai demandé si elle est occupée de mes fesses, il m'a. Ouais, bon quoi, c'est quand même moins sexuel que moi, quoi. Ah, moi, c'était de l'amour crade, moi, ce soir. L'amour crade, très bien. Ouais. Bon, tu veux quand même ton deuxième. Ouais, vas-y, ouais, je vais le prendre quand même, ouais. C'est gratuit, on en profite. Oui, c'est vrai, c'est gratuit. Allez, vas-y. C'est Skyrock qui paye. C'est qui? Guillaume. C'est Guillaume. Bon, Guillaume, la famille à Guillaume pour ton deuxième coup de fil. Allez, allô, ouais, Guillaume. Oui. Ouais, comment ça va? Ça va, c'est qui? C'est Jean-Louis à l'appareil. Dis donc, j'aurais un petit service à te demander, là. Ta meuf, elle est là ce soir? Guillaume. C'est quoi le délire? Non mais Guillaume, parce que je voulais lui proposer une sucette là. Bah va te faire enculer, ouais. Je peux venir ou pas? Ouais, vas-y, ouais. Bah vas-y, comme ça tu goûteras ma sucette, toi. Ouais, tu vas la goûter, tu vas voir, c'est une sucette à la viande. Le c'est bonus, ça. C'est qu'à la fin, elle crache. Il y a du bon jus, à tout de suite. Bip bip. Ah bah voilà. Et voilà, invitation. Spéciale. Ah, ah vas-y, invitation non, quand mais même, c'est ma gueule. Super le clash de soir, on a même pas envie qu'il s'arrête. Allô? On a envie qu'il continue. Je crois que ça parle encore. Tu veux en faire un autre? Non, j'entendais des il voix. Il est tellement excité, hein. J'entendais des voix, ouais. Qu'est-ce qu'il est excité, regardez. Comme une puce. Qu'est-ce qu'il y a, Cédric? Ah, j'ai rien, je vais un autre tour, moi. Tu vas, mais tu l'as vu, on ne s'arrête plus tellement que ça marche. Là, moi, je suis chaud, là. Bon, alors, Cédric, je donne un autre tour. Ce sera le dernier, après, vous allez pouvoir voter. Bon, belle démonstration, là, pour l'instant. On en est à combien de coups de fil? Troisième. Allô? Oui. Ah bonsoir, c'est la femme de Laurent, ça. Oui. Ah comment vas-tu? C'est qui? Je m'appelle Michel. Bon, on se connaît pas encore toi et moi, mais on m'a beaucoup parlé de toi, tu sais. Là, je t'explique, j'ai eu un petit problème, je suis tombé en panne de voiture pas très loin de chez toi. Oui, d'accord. C'est encore une connerie, ça. Non, c'est pas une connerie. Je voulais savoir si je peux venir te voir ce soir. Ah bah bien sûr que non. Bah, bon, sinon tu appelles au commissariat de police. Bah, hein, mais non, mais ça, 03 22. Ah mais ça je les appellerai demain, ça c'est pas très grave. Hein, t'appelles au commissariat de police si ouais, tu veux. Mais je peux venir te voir ou pas? Bah à la police, je travaille demain, j'y serai à 8h. Tu vas à l'accueil de l'hôtel de. Bah écoute, demain on se voit à 8h à l'hôtel de police, mais soir je veux venir te voir à la maison avec Laurent, je voulais qu'on fasse l'amour tous les trois. C'est possible ou pas? Bon, bah alors, tu sais, tu m'appelles encore deux fois et là je pourrais porter plainte pour appel malveillant, d'accord? Ouais, mais j'ai envie de venir te voir, j'ai pas une tablée, hein, donc t'appelles encore deux fois et après c'est bon, je peux porter plainte contre toi. Oui, mais parce que comme je travaille chez les flics, je sais comment ça marche. Oh, pauvre allez. Cédric. Pas que tu portes plainte, j'ai envie de faire l'amour ce soir, moi, c'est différent. Bon, j'ai pas envie de t'appeler. Ouais. Bon, je peux venir ou pas là? Elle est partie. Non, je crois pas. Non, c'est Cédric, raté, c'est mort là. Ah bah elle est partie. Bah là, Cédric, tu veux pas la rappeler deux fois? Allez, rappelle-la, moi je la rappellerai. Allez, je te donne deux coups de fil supplémentaires. Non, je la rappelle pas. Avec la même famille. Si, deux fois. Rappelle, allez. Non, non. Pourquoi tu veux pas la rappeler? Mais Samuel, il allait la rappeler. Bah oui, il faut la rappeler deux fois. Allez, Cédric, appelle. Alors, Cédricain de Skyrock. Non, Romano. Cédricain de Skyrock. C'est Romano. Va avoir deux coups de fil supplémentaires pour rappeler la même famille, la même dame qu'on a. Au plein cœur. Et voilà. J'ai des problèmes, toi. Bon, tu prends ton dernier coup de fil, Romano. Ouais, vas-y, donne, on voit tout de suite, là. Alors, regarde, on te donne des conseils. Suis-le, Cédric. C'est Jean-Marc. Tu parles trop vite pour le clash, Cédric. Ça bloque les familles, je pense. Lady Sab qui laisse un message. Non, mais j'accélère. C'est bien, vous coachez les clasheurs, là, ce soir, je vois. Allez, Jean-Marc. Bon, alors, on appelle ton dernier coup de fil et juste après, vous allez pouvoir voter pour Romano ou Cédric. Qui sera le meilleur? Quel est celui qui va gagner le clash? Allô, ça, c'est la femme à Jean-Marc. Oui. Oui, bonsoir. Il est là, Jean-Marc? Bah, Jean-Marc, oui, il est là. Ah, je pourrais lui parler? Oui, mais qui vous êtes? Ah, excusez-moi, je ne me suis pas présenté. C'est de la part de Jean-Louis.
Je suis un ami de Jean-Marc. Oh là là, attendez, bon, je vous le passe. Merci bien, c'est bien gentil, ma bonne dame. Jean-Marc. Marc. Viens au téléphone, parce que là, je comprends pas. Viens. Bah, il y a un monsieur qui veut parler. Monsieur. C'est Jean-Louis. C'est Jean-Louis. Allô? Ouais, Jean-Marc. Oui, c'est qui? Ouais, c'est Jean-Louis à l'appareil, comment vas-tu? Jean. Jean-Louis. Jean-Louis, comment? Eh, bah, tu m'as pas reconnu. Bon, dis donc, c'est pas grave. Ce soir, je voulais passer vous voir, ta femme et toi, là. Je peux passer vite fait parce que j'ai une sucette à proposer à ta femme. Oh non. Et une bonne sucette à la viande, comme on n'en fait plus. Hein. Pour ta bonne femme, allez, laisse-moi venir. Oh, il est parti. Jean-Marc, oh merde. Putain. Bon, eh ben écoutez, c'était pas mal ce soir. J'ai bien fait de vous donner... Allô? Ah, il est parti. Oui, il est parti. J'ai bien fait de vous laisser un troisième tour qui aurait été très utile pour Cédric pour avoir un problème avec la police. Ça faisait longtemps. Bon, moi, j'ai rendez-vous avec la meuf demain matin, 8h à matin. D'accord. Mais oui, Cédric. Demain matin, 8h, elle m'a demandé de venir. Mais oui. Mais oui, pour te faire interpeller, oui. Bah, c'est un rendez-vous, reconnaissez un rendez-vous. Et Romano, bon, avec le dernier moyen pour la sucette à la viande, mais par contre. Ah, mais ça a bien marché les deux fois d'avant, hein. Mais ouais. Moi, la fois d'avant aussi, hein. Mais tu m'attendais, vous voulez me défoncer les fesses. C'est vrai que sur les trois coups de fil, t'en as eu un qui a marché. Bravo, Cédric, hein. C'est pas souvent. Moi, j'en ai eu deux, moi. Le deuxième, ça a été. C'est vrai. Invitation demain matin au commissariat. Bon, eh bien, écoutez, vous allez pouvoir voter dans un instant juste après les déclarations des deux clasheurs. On va commencer par ta déclaration, Cédric. Tu veux quelle musique, Cédric? Parce que je demande à Romano, je te demande à toi aussi. Laquelle tu veux? Bah, la classique. Tu veux la classique, c'est-à-dire J'aime la bite? Non, c'est pas la classique. C'est pas la classique, ça. Non, c'est de d'avant. C'est laquelle? C'est l'autre, là, Nos Stress, machin. Tatalatatatat. Ah, tu veux tatalatatatat? Ah, je préfère ça là. Allez, mets-lui tatalatatatat. Waouh. Bien, au moins, c'est court. Ouais, c'est bien. Bon, ta déclaration. Donc ce soir, moi j'ai serré, comment il s'appelait déjà lui, j'ai oublié son nom, c'est pas très grave. Il m'attend, ce soir il va me faire les fesses, je vais faire l'amour à sa femme. Et après j'ai un petit rendez-vous demain matin à 8h pour un petit déj au commissariat. J'ai rendez-vous avec une meuf, elle m'attendra demain matin. Donc pour ça, votez Cédric, C-E-D-R-I-C, 41-759. Je crois que ce soir c'est le vote qu'il faudra faire, C-E-D-R-I-C, votez Cédric la famille, je compte sur vous tous et vous toutes pour me faire gagner. Merci, je vous aime très fort. Merci. Oh, mais je vois pas de ton nom qui apparaît déjà. Attendez, avant de voter, j'ai pas donné le top. Attendez une minute, le temps de la déclaration de Romano. Sinon, je voyais ton nom qui apparaissait. Regarde, Cédric est bien énervé, signe de défaite. Ah non, c'est pas ça. Non. Rembarré Cédric. Cédric, qu'est-ce qu'il est nul? Oh, c'est Erwan. Erwan, c'est un mec qui soutient Romano. Cédric ça. Mytho pour Quentin. Big up à toi, Erwan. Quentin Italique et qui nous laisse un message. Qui soutient Romano à toute patate. Ah, hein, c'est marrant ça. Bon, Romano, tu veux quelle musique? Moi, je vais chanter Romano, il faut voter Romano. Romano, il faut voter. Je voudrais demander un peu d'équité dans l'équipe. Allez, tu les as excités avec ta sucette à la viande. Allez, bon, ce soir, moi, dès le premier coup de fil, bim, je me fais goûter la sucette à la viande par la bonne femme. Le mec, je lui mets dans les fesses, il me la suce derrière, il me lèche les boules. Deuxième famille, bim, je lui mets un petit coup dans la bouche, un petit coup dans le pot. Et ça s'appelle un double serrage. Et bien, pour tout ça, votez Romano, R-O-M-A-N-O. Romano, dans le pot. Oh, quelle ambiance! Quelle ambiance! C'est la folie, quoi! Bon, eh bien, les résultats du clash de la drague arrivent dans un instant. Allez, attention, en attendant. Allez, on va finir. Sly. Eh ben, les résultats du clash. Eh ouais. Je les ai. Ils sont là, les résultats du clash. Bon, un petit résumé de mon clash. Bon, j'avais la méthode de sucette à la viande et deux appels de serrage. Bim, ça va sucer à tout va chez moi. Moi, c'était la méthode panne d'essence. Très bien, Cédric. Voilà. Il y a un résumé qui est plus court que l'autre. Ouais, c'est pas la peine de baragouiner. Je ne baragouine pas, Cédric. Allez, baragouine. Non, moi, j'attends les résultats avec impatience. Eh bien, les voici. 31% aujourd'hui pour le perdant, 69% pour le gagnant. Ouais. 31%, c'est pour qui? Romano. Hein? Tu fais 69. Connard. 69, c'est érotique, ça me va bien, c'est parfait. Cédric, tu fais 31. Bah, t'es sûr que tu t'es pas trompé, gros? Eh non. Je vérifie. Non, je ne me suis pas trompé. Eh non, il n'y a pas d'erreur. C'est le sieur, mon bon bras. Ah non, c'est ça. Confirmation. Oh là là là. Je ne me suis pas trompé. Bon, alors, en tout cas, merci la team Romano. Ça fait bien plaisir. On a pété le veau. On a pété le veau. Parle bien, toi, parce que je vais me lever. Tu vas avoir ta gueule. Bah, et alors, tu te lèves. T'arrives encore à le faire. Ouais, t'inquiète. Bravo, Cédric. Ouais, bah, merci. Tu enlèves 60 euros de cow-boy. Ouais, je veux le fouetter. Ouais, Walker Texas Ranger. Je vais te fouetter, mon pote. Tu vas voir. J'apprends à le faire. Il y arrive pas.
pas. Voilà, pas le con. Vous ne voyez pas, mais le débile. Bon, Cédric, et ses problèmes psychomoteurs, tu restes avec nous, mais c'est bien. Ne bouge pas trop. C'est bien, mon grand. À la gueule, tu vois. Bon, on va parler, tiens, on va avoir besoin de toi d'ailleurs, Cédric.